Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est donc de l'actualité numéro 4 et on va parler donc de 3 magasins. Nous étions donc le 10 avril au Jouet Club de Étampes et le 11 avril, nous étions au King Jouet de Claye-Souilly le matin ainsi qu'au King Jouet de Haréauville l'après-midi. Comme d'habitude, je tenais à remercier les magasins, les parents ainsi que les bladers car tout s'est extrêmement bien passé. Donc c'est un réel plaisir d'arbitrer les tournois qui se passent dans une telle bonne humeur. Donc maintenant, je vais tout simplement vous laisser profiter de la vidéo et regarder un petit peu certains extraits qui se sont passés lors de ces journées. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. 3, 2, 1, hyper vitesse. Joli, très très beau le fait. Allez, allez, viens trop battre. Allez, allez, on se promène. Voilà. Allez, c'est toujours pour respecter la Garuda. Je vais pas gagner. Et troisième point pour Maxence. Bravo à tous les deux. Faites-vous les petits checks, les garçons. Super, bravo. 3, 2, 1, il fait la tête. Joli. Oh. Oh, le KO. Il est bien parti. Oh, le KO. Oh là 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 là. 3, 2, 1, il perd vitesse. Oh, joli. Là, il ne lâche rien, les deux joueurs. Très très beau match, les gars. Oh oh oh! Regarde-le avec son air là! Attention! Et le cinquième point pour Evan, bravo! Vous pouvez applaudir à deux joueurs, c'est terminé! Bravo à tous les deux, franchement très très bien! Donc je tiens à féliciter du coup Maxence91 qui a terminé deuxième, vous pouvez l'applaudir! Bravo Maxence, c'est très bien! Donc je t'offre le diplôme du coup, donc tu as ta place pour la grande finale de la Battle League et tu peux choisir entre ces deux boosters. Alors est-ce que tu veux Xifoy de Knight? Ou la Fierce Achilles. C'est sûr? Allez, c'est parti, du coup, Fierce Achilles. Bravo, et du coup, on va faire la petite photo, tous les deux. Et donc, la félicitation à Evan91 qui termine le tournoi premier. Bravo à toi, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, le petit diplôme. Et du coup, tu peux choisir cette fois-ci, donc, dans ce starter, est-ce que tu veux Flame Pandora ou est-ce que tu veux Chain Kerbeus? Celui-là, c'est sûr? Et tu es sûr que tu la veux ou tu me la donnes? Tu la gardes? Très bien. 3, 2, 1, hyper vitesse! Oh, joli! Allez, c'est parti, ça attaque là. Du coup, allez, passez à mode pro. Allez, on y va. Attends. C'est bon, allez, bravo! Faites vos checks tous les deux, s'il vous plaît. 3, 2, 1, hyper vitesse, très bien. Oula, allez, là on attend bien au bruit. Oula, elle a failli sortir. Oula, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est pas grave, c'est super. Moi, c'est une pièce. Attention, lève la tête un peu, c'est au cas où ça explose, si jamais. Tu prennes pas les pièces sur le visage. Oh, ça va être tendu là. Oh là là, bravo. Faites trouver un petit check tous les deux. Bravo, très beau match. 3, 2, 1, hyper vitesse. Joli. Attention, arrête les garçons. Ouais. Voilà, super. Voilà, très bien. Oh. Ça y est, ça commence à subir. Hop là. La ASMR, vous criez en chuchotant. Ah bravo. J'ai jamais vu ça. Deuxième, et je félicite, il a très bien joué, il s'agit de Sayan LG. Donc t'es qualifié ou pas pour le championnat? Viens avec moi maintenant, je vais venir. Donc du coup, tu as le droit à ton diplôme, bravo. Et du coup, tu vas pouvoir choisir entre la Zille Nidog et la Zifoid Knight. Tu veux la qualité de tu vas regarder les têtes. Allez, vas-y, donc tu la tiens, je te remercie. On regarde, attends, on va finir. On va faire un petit sourire. C'est
ça. Bonjour, est-ce que tu peux nous donner ton nom de blader, s'il te plaît? Ok Sayan, bah félicitations pour ta qualification. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de tes matchs de cette journée? C'était bien, j'ai bien joué. D'accord, bon bah félicitations encore et on te donne rendez-vous en septembre pour la qualification en finale. Merci. À bientôt. Et donc celui qui est qualifié à la fin des phases de poule et qui est donc qui va pouvoir me rejoindre pour le championnat de France qui est en septembre. Il s'agit de Stitch, bravo à toi, tu peux venir, on peut l'applaudir. Bravo. Du coup voilà ton diplôme. Et après, tu as mis laquelle? Donc soit bon. Tu veux celle-là? Super. Attends, reste là. On va juste te prendre. Regardez là-bas. Super. Et tu vas monter ton diplôme comme ça. Comme ça. Bravo, regardez là. Et après on regarde un moment. Quel est ton nom de blader s'il te plaît? Stitch. Stitch, tu as quel âge? 11 ans. Donc tu as fait partie des participants gagnants de ce tournoi. Tu es donc qualifié pour la finale en septembre. Est-ce que tu peux me donner ton ressenti, ce que tu as pensé un petit peu des matchs que tu viens de faire? J'ai aimé quand j'ai tiré. D'accord, très bien. Bon, bah merci beaucoup. Je te donne donc rendez-vous en septembre pour la suite de l'aventure. À bientôt. Ah, ça encaisse bien. Allez, ça tape doucement. Hop, on arrive à la fin. Rotation. Et on a le point pour Daouda, du coup. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh. Allez, attention, ça bouge, ça bouge. C'est course poursuite. Oh, il fallait sortir. Et premier point pour Daouda. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh joli. Très très beau lancé. Allez, ça tape doucement au centre de l'arène. Donc du coup on a une Wild Knight en mode haut. C'est celle de Nasu Dragnir et la Wild Knight mode bas pour Tao. Et deuxième. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh joli. Oh le KO. Oh là là. KO la remontée de Nasu. Et 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh, ça déstabilise. Ah, il a mis le mode haut pour déstabiliser la balle cache. Attention, elle part trop d'endurance. Et on a le troisième point pour Natsu, bravo, faites-vous le check. Tu as donc ton diplôme, donc cette fois-ci tu as donc la qualification pour venir en septembre à Paris. Donc t'inquiète pas, après on va prendre les informations et moment. Donc quand est-ce que tu vas pouvoir venir, etc. Et tu as aussi un petit cadeau. Donc je te laisse choisir à laquelle tu as envie, la Zifoy Night ou la Midog, laquelle tu veux. Celle-là. Voilà, bravo à toi, vous pouvez l'applaudir, félicitations, t'es qualifié. Ok, donc salut, tu t'appelles comment? Daouda, félicitations pour ta victoire aujourd'hui. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Donc tu vas pouvoir participer à la finale, enfin au tournoi des qualifiés en septembre. Est-ce que tu as des impressions, des avis sur ta participation aujourd'hui? Oui. Allez, dis-moi. J'avais participé l'année dernière. Ouais. Je voulais abandonner, mais je me suis dit, ça sert à rien d'abandonner, il faut toujours se relever plus fort. Ah, on aime bien ça. Jamais abandonné. Bravo, félicitations encore à toi Daouda et je te dis à septembre. A bientôt, merci à toi. Le premier après Tao et les autres que Natsu Dragnir, tu peux venir me rejoindre mon grand. Bravo à toi. Vous pouvez l'applaudir Natsu. Et donc Natsu il avait donc 10 points. Donc c'est vraiment bien. Donc tu as ta qualification, donc voici ton diplôme pour passer du coup au championnat de France avec nous. Et tu peux choisir entre la Chain Car Beus K8 ou la Ambusque Basilisk B8. Salut, tu t'appelles comment? Natsu Dragnir. Natsu Dragnir? Ouais. Ok, et tu as quel âge? J'ai 9 ans. 9 ans. Donc félicitations pour ta victoire aujourd'hui. Donc tu as fait quand même 2 KO explosifs, c'est une belle performance. Qu'est-ce que tu as pensé toi de bah, toute ta journée ici, de tes duels? Moi j'ai peur, mais j'ai quand même gagné. Félicitations, bravo. Moi j'ai perdu,
mais je me suis pas désencouragée. C'est bien, c'est l'esprit qu'il faut. Bah écoute, merci à toi et je te dis à bientôt en septembre pour la suite de l'aventure. À bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Et nous, on se retrouve donc très bientôt pour l'actualité numéro 5. Merci à tous, c'est Blazer, et à très bientôt. Ciao, ciao.